Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Avenical, aujourd'hui suite du Let's Play de God of War épisode 9 ou épisode 10, je sais plus très bien. Et donc aujourd'hui on est parti pour la petite suite. Il me semble qu'on vient d'arriver en haut, où c'est pas encore le cas. Justement on doit monter. Alors, attendez, je me souviens plus très bien. Est-ce que là justement on doit monter? Alors oui, du coup si je fais ça normalement, le truc de l'ascenseur descend. Voilà, et on va pouvoir aller le prendre. Là, je fais quoi? Je mets ma hache glacée. Comme ça, je peux sortir. Bon, du coup, suite des God of War, les gars, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas continué. Il y a eu le prépage Dragonflight, tout ça, tout ça. Du coup, on a eu, évidemment, vous savez que sur cette chaîne, on priorise, bien sûr, World of Warcraft. Mais que, évidemment, on continue l'aventure God of War. Cyberpunk aussi. Je slash vraiment fou dans God of War par rapport à ça. Mais Cyberpunk aussi, ça va continuer, les gars. On a que 5 épisodes. Ça va, bien sûr, continuer dans le futur, mais là avec la sortie d'Argonflight, bien sûr qu'on se concentre dessus. Et là on est quand même parti pour une petite demi-heure, un petit épisode bientôt, tranquillement, avec notre petit Kratos et notre petit Atreus, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Bien sûr, on défend en stream dessus, n'hésitez pas, la chaîne Twitch en description, et surtout il y a un concours pour le joueur de WoW actuellement sur Twitter. Concentre-toi sur l'instant, et sois vigilant. Donc là on va arriver en haut de la montagne, justement la montagne où on doit répandre les cendres de la femme de Kratos, la mère d'Atreus. Plein de gens ont fini God of War Ragnarok, nous on est encore sur le premier. Chaque chose en son temps de notre côté. Alors c'est pas le sommet encore, mais on s'en approche. Ah merde, je pensais qu'on arrivait au sommet. Attends, c'est pas le cas. Celle-ci est intacte. Il y a un message. Une prière de géants. Ils demandent à leurs ancêtres de veiller sur eux, de leur montrer le chemin du retour. Atreus. Attends! Je crois savoir comment ça marche. Regarde! Wow. Ok. Tu écris. Je leur ai demandé de veiller sur maman. Tu crois qu'ils veilleront sur nous quand on grimpera au sommet? Viens, mon garçon. La route est encore longue. Allez, hop. On va atteindre le sommet. On avance petit à petit. Merde, je peux courir, je n'ai pas le droit de courir, je dois marcher obligatoirement là. Recule. C'est un piège. Compris. Et du coup, juste le. Ah oui, ok, non, attendez, on va attendre. Et dès qu'il a fini. Voilà. Nickel. Et non, on a dû creuser ces tunnels pour contourner les pièges des géants. Et une chance. Bon, ça passe, voilà. Et là, on prend de la vie en fait. En fait, tranquille, on peut se prendre les. On peut se prendre les flammes carrément. Ok, petit freco. Là, c'est qu'on a quelqu'un de mort. Ça ne sert à rien. On voit de côté. Ok. Ça, je te prends ton drapeau plus en frérot. Je dois aller où, moi, là, en fait? Ah oui, non, mais toi, frérot, vraiment. T'es le con du village, quoi. Ok, hop, et on est arrivé juste ici. Aïe. Nickel chrome. Et là du coup on passe ici. Hop, on reprend le tac de heal. On arrivera peut-être en haut plus vite que prévu. Oui, c'est bien vrai ça, bien joué Atreus. Qu'est-ce que je fais avec ça moi? Je le pousse apparemment. Ah oui, ok, c'était ça l'élévateur, très bien. Bon, bah on approche du but apparemment. On est encore trop lourd. Eh ben, on est encore trop lourd. Ah, ça on peut le couper apparemment. Pas vraiment. Bah on va pousser ça. Voilà, pousser ça. Et ça devrait pouvoir nous permettre d'aller en haut, je pense. Voilà. Voilà ce qu'on veut. Quand on sera au sommet, jusqu'où tu penses qu'on pourra voir? Le lac?
Le serpent monde? La maison? Nous verrons une fois là-haut. D'ici là, ouvre l'œil. On casse tout. Ça monte encore plus vite peut-être. Atreus. Ça va. On voit qu'on a encore 700 mètres à monter. C'est vraiment très très long. Ça me rend service et ça nous permet de survivre. Sans doute. Mais c'est pas une vie très amusante. Et... what? Toujours plus, c'est plus... Allez. Hop, hop. En gros, spartial, et là, on se rabat. Il est tombé direct. Bon, c'est fait. On en est où, là? Très très long, la montée, hein. Et je pense pas qu'on va tout monter avec cet escalator là. Je pense qu'à un moment donné on va tomber ou un truc du genre. Voilà, voilà, coincé. C'était évidemment, bien sûr. Bah c'est un mec de feu, j'ai une hache de glace. On dit bien qu'il allait pas faire long feu le frérot. Hop. Ok. Bien joué à toi, t'as mis à terre. Bien joué, champion. C'était amusant. Oui, je devrais plus m'inquiéter. Est-ce que c'est là qu'on descend? Non, nous sommes bloqués. Ouais. Ah, je vais me débloquer comme ça? Ah ouais, quel roi. Eh, on est reparti, on monte. Hein. Et jusqu'où on doit aller? Je n'en sais rien. Bah en haut. Tu crois qu'il y aura d'autres attaques? Sans aucun doute. Oh non. Si, alors tiens-toi prêt. À chaque crevasse, en fait, une attaque, hein, c'est dingue. Et bah voilà, ça va pas durer longtemps. Hop. Voilà, débarrassé. Le sommet, ça s'éclaircit un peu, non? C'est qu'on arrive vers le haut, je pense. On entend le poisson, on nous attaque pas. J'ai besoin de se faire des touches un peu, c'est vraiment que j'ai pas joué. Vas-y, Atreus, bien joué. Ok, on lui coupe la tête en fait, hein. Vraiment. Ok, ok. Et oh, le carnage. La plateforme est très très solide, hein. Et bah super, voilà, petite encore victoire bloqué. Une nouvelle fois. Je sais. Attendez, encore bloqué. Je me loot un peu. Enfin, je garde tout ça aussi avant de. On devrait pas y aller. De reprendre. On devrait revenir à tout moment. C'est bon, Atreus, on y va, on y va, on y va. Forceur, le gars, forceur. Tac. On dirait. Père, on va disperser les cendres de mer. Et après, qu'est-ce qui se passera? Rien ne se passera. On retourne à la maison. C'est tout. Allez, plus que 430 mètres. Pour l'instant. Mais nous aurons beaucoup à faire. Tu avais raison sur le bateau quand nous avons coupé le dernier arbre. Tu as dit que quelque chose avait changé. C'est vrai. Et notre maison n'est plus sûre. Mais parce elle le redeviendra. Il y a l'autre gars qui nous poursuit là. Ton entraînement. Comment il s'appelle déjà? Bradur. Bradur. Bradur, un truc genre.
On arrive en haut? On est coincé? Oh, on va grimper aux lianes. On est presque au sommet. Rien ne nous arrêtera. Un dragon, bien sûr. C'est un dragon, vraiment? Bon, oh, bah, toi, frérot. Oh, comment je vais tout juste spammer ta grosse gueule? Ok. Mais c'est un dragon mais qui a des tout petites ailes. Genre c'est un dragon mais pas trop dangereux quand même quoi. C'est vraiment un dragon d'exister quoi. C'est un Pokémon en fait. Hein. Ok. On grimpe sur son dos. Tiens. Ah bah super. C'était quoi? Un dragon frérot. On dirait une racine de l'arbre Yggdrasil. De la sève cristallisée et qui contient un pouvoir. La sève de l'arbre Yggdrasil. Donc les racines de l'arbre monde finalement. J'arrive pas à croire qu'on ait combattu un dragon. J'ai essayé de viser ses yeux, mais je perdais toujours l'équilibre. Tu crois qu'on est chez eux? Est-ce qu'ils sont venus après le départ des géants? Ou est-ce que c'est eux qui les ont chassés? Atreus, l'air se fait rare. Garde tes questions. Respire. C'est vrai. Oh. Oui. D'accord. Ok. En gros, là, on va les fight avec un dragon, quoi. Entendu, on dirait que quelqu'un a besoin d'aide. Ah bah, c'est leur faute. Écoutez, moi je suis là pour ma vie et celle de mon fils. Oh, l'extérieur. Si un mec se bouffe par le dragon, c'est pas un problème. C'est pas Baldur. Allez. C'est Sindri. Ah non, Sindri. Tu peux tuer un truc aussi gros? Il faut le déséquilibrer. Je peux essayer de le distraire. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais comment ils sont toujours là les nains, c'est fou. On peut pas l'abandonner. Tu passes à droite. Il est bien plus grand que dans la caverne. Et tu attends mon signal. C'est, on est vraiment dans Dragon Fight là les gars. C'est Razaghet la manche tempête hein. Là je vais sauter sur son dos genre. Ah bah oui. Carapace solide apparemment. Mais tout ça pour ça là? What the fuck? Ok, attaque rapide, on spam, attaque rapide. On occupe la langue, on occupe la langue. Bien joué. On va nous ouvrir la langue. Partez, je m'en occupe. Peut-être que je vais tout ça. Oh bah attendez. Mais en fait, faut que je ramasse la sève. Et que je... Il l'a fait péter sur moi. Ah, c'est exactement ça. Je dois lui tirer la sève dessus en fait. Quand il ouvre la bouche, ok. Là, je prends ça et dès qu'il ouvre la bouche. Bien joué, bien joué. Aïe, aïe. Et lui tombé dessus, putain, quel con.
Mais je vais arracher un œil là. Ah non, c'est faux, il est blessé quoi. Il est blessé un peu. Barcelona, la 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 la. Ah là 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 là. Mais gusta. Ah là 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 là. Ah mais saute Kratos aussi là. Il saute jamais ce mec, c'est fou. Là je dois faire quoi? Je dois juste attaquer ses pattes. Ah, ok. Bloquer le mec définitivement. Mais j'ai rien bloqué du tout là. Ah ça je devais juste l'éviter, putain quel con. Et là je vais taper ça, putain à louper. Ok. Ok je vais aller loin. Parce que là je vais mourir en fait. C'est pas trop comment. Ok. Ah ok. Là il est électrifié. Voilà, ok, nickel. C'est juste moi j'ai rien compris encore, c'est fou. Là on va prendre un autre. J'évite. Il est électrifié. Je balance. Bien joué Atreus. Heureusement qu'il est à ce con. Hein. Ok. De la vie, de la vie, de la vie. Ah moi aussi. La vie elle spawn sous ses pattes. Merde, j'aurais dû esquiver ça. Et what? Non, il est trop fort. Moi, j'ai paré, let's go. Faut j'esquive. Le problème c'est un seul coup et je meurs. Quoi? Mais depuis quand il bouge en même temps? Sors de là Kratos. Non je vais mourir, je vais mourir. Attendez. Oh, j'ai rien de mieux dans mes compétences. Je suis un ouf. Je suis un ouf. C'est quoi ça? Ça c'est bien. C'est bien aussi. Jamais, oh là c'est fou ça. Ok. Ça c'est quoi? Un personnage niveau 3, ça je peux pas prendre pour l'instant. Ok, très bien. Merde, merde, qu'est-ce que je fais? Non, non, mais retour, je m'en fous de ça. Et qui? Je peux pas quitter ça? Ok. L'objectif c'était vraiment de trouver de quoi me heal en fait. Ça c'est quoi? Deux fois pour vous regarder en ennemi, ça peut être pas mal. Comment je prends ça déjà? Ah oui. Ok.
Ça c'est... ouais. Et ça c'est Atreus, c'est ça. Voilà, on va mettre des points un peu, tous ceux qui puissent un peu s'amuser, le con. Hop. Hop. Super. Bon en fait on va juste prendre tout ce qu'on peut prendre les gars, hein, parce que bon... Ok. Passe aux ennemis. Tenez, prenez des coups de poing. Range spartiate. Ça c'est pas mal sans spartiate. Ça va vraiment faire qu'on va devenir super titan spartiate. Et ok, je peux encore prendre ça là. Voilà, c'est nickel. Armure. Ouais, ça on s'en fout, je crois. Arme. Ressources. Côté objectif, carte. Je pouvais faire un truc à un moment pour que je revive si je meurs. Parce que là, je vais mourir en fait. Oh, bah, y a un talisman que j'ai même pas. J'ai un talisman, je l'ai pas équipé sur moi. Un regain de santé, c'est super ça. Ah, achèvement 7%. Regarde la montagne. On s'en fout. Les ressources. Bah, écoutez. J'ai l'impression que... Allez, mon talisman, regain de santé, s'il te plaît. Bon, il est pas fou, mais c'est toujours ça, j'ai envie de dire. Hein. Nickel, je reprends ça direct dans mes bras. Voilà. Okay. Faites un truc vous. Ok, mais eux ne servent à rien. Oh. J'ai un plan. Tiens-toi prêt à baisser la grue à mon signal. Je ne veux pas le savoir. Fais-le. Non mais c'est fou frérot. Je peux pas l'approcher en fait, je suis censé le taper comme ça mais je peux pas l'approcher. Le problème est là, c'est que là si je l'approche frérot, je me... Je peux pas... La vie elle spawn sous ses pattes. Je ne peux pas la prendre la vie. Ok, j'ai un petit regain de santé là pendant quelques secondes. Mais bon, qui est déjà fini quoi. Bien joué Atreus. Ah donc toujours plus avec Kratos quoi. Allez 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 allez. Ouais. Ok.
va exploser du coup avec toute l'électricité là. Oh le king. Waouh, on a réussi. Ah bah là. Et toi? Là oui. Ça alors? Mais personne n'avait tué de dragon depuis des siècles, pas depuis la grande chasse au ver. Et si je ne m'abuse, tu as fait tout ça pour moi. Tu te trompes. Le dragon était sur mon chemin, rien de plus. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu m'as sauvé la vie, et ça, ça mérite une récompense. Ah bah donne. Ah, qu'est-ce que c'est? Des flèches de gui tressées, plus droites qu'Emdal et parfaitement équilibrées. Oh, merci. Ah, je vois. Non, attends, non, pas ça. Vous avez revu mon frère? Oui, il a dit que t'avais perdu ton talent. Oh, et que je suis égoïste? Non. J'imagine que je me soucie de l'esthétique des armes, non, plutôt que de leur efficacité, que je suis prétentieux, non, et obtus, maniaque, je sais ce qu'ils pensent, mais je me fiche de ces insultes. Ah, brûlez ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Non, 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 attends un peu, attends un peu. Il s'amuse à tirer dans la carcasse du dragon. J'ai une meilleure idée. Laquelle? Il me faut une dent de ce dragon. Mmh. Bien, prenons l'une dent. Tueur de dragon. Attention en prenant cette. Okay. Oh, trop tard. Oh, quel massacre. Oh, c'est une catastrophe. Oh, oh l'odeur. Parfait. Ça ah, devrait. Tout le temps il se plaint ce gars. Ouais, pas question de toucher ça. Simplement, tiens-la pour moi. Maintenant, frotte-la contre la corde de l'arc de ton fils. Fais-moi confiance. Atreus, ton arc. Mmh. Deux passages devraient suffire. Oh ouais, tout doux. Flèche électrique, non. Ok. La Atreus s'améliore encore. Waouh. Wow. Oh, sûr. Maintenant, je t'impressionne. Oh, comment pourrais-je l'expliquer? J'ai ajouté un outil vibratoire au tressage de la corde. Oh. Et ben bah voilà. J'ai déjà tout compris, alors c'est parfait. Bon, je n'expliquais pas seulement la. Ok, bon, ne bouge pas, moi je vais voir si je peux améliorer des trucs. Je suis à votre service. Oui. Protection de la taille. La taille, j'ai rien, non. 21. Pomme de hache. Armure d'Atreus, tiens. Jeune Atreus, comment puis-je t'aider? Ah, est-ce qu'il te fallait autre chose? Ouais. Protecteur, j'ai déjà avant-bras en soi. Alors, j'en ai des meilleurs, mais j'ai déjà aussi quoi. Enfin, j'ai déjà pris, j'ai déjà amélioré. Alors que la taille, j'ai rien amélioré du tout. Alors, avec ça, 23 en défense et 15 de force et de défense. Je pense que c'est pas mal d'améliorer un peu des deux. On va prendre celle-là. Excellent. Merci beaucoup frérot. Il me reste 5000. Je peux peut-être, ouais voilà, améliorer un peu mon manche. Ah non, ça me fait perdre en vitalité pas mal. Un jungle qui peut gagner trop de vitalité, c'est un peu chiant ça. Ok, sinon il y a quoi ici? Arc serre. Oui mon garçon. Très bien, carquois. Ah ça c'est bien, on va lui acheter un petit carquois à Atreus, tiens. Tiens mon frérot.
Fais-toi plaisir avec ça, Atrice. Eh ben super. Non. Eh ben les gars, je pense que c'est pas mal pour ce petit épisode aujourd'hui. On a vaincu un dragon. On a retrouvé le petit nain, les gars. Je vous dis à la prochaine. Au prochain épisode, on continuera la petite aventure avec Kratos et Atreus. On verra si c'est demain ou pas. En tout cas, demain, vous voyez cette vidéo le mardi. Donc c'est une semaine pile avant la sortie de Dragonflight, les refs. Ça arrive très très vite. Je vous dis à la prochaine, les gars. Surtout, portez-vous tous très très bien.